Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves de 6e année primaire. D'après mes apprentissages en français de 6e année, je vous propose cette leçon, l'adjectif qualificatif épithète ou attribut comme révise. Les objectifs sont tout à fait clairs. Identifier et utiliser les adjectifs qualificatifs. Savoir accorder les adjectifs qualificatifs. Bon, première chose à faire, c'est le titre. La lecture du titre, l'adjectif qualificatif épithète ou attribut. Alors, ouvrez votre manuel, mes apprentissages de français, sur grammaire, l'adjectif qualificatif épithète ou attribut, et suivez avec moi pour comprendre bien cette leçon. Ce que je sais, souligne les mots qui décrivent. Il y a des mots qui décrivent. Un beau tableau, le château est vieux, cette fontaine est superbe, j'ai fait un long voyage, cette ville est nouvelle, un ancien palais, les océans sont profonds. Il y a des mots qui décrivent. Bon, on a par exemple beau, vieux, superbe, long, nouvelle, ancien, profond. Ce sont donc des mots qui décrivent beau, vieux, superbe, long, nouvelle, ancien, profond. Alors, que précise? Pardon, ce sont des questions de j'observe et je découvre. Alors, ce que vous voyez, bien sûr, c'est la tour Hassan qui se trouve à Rabat. Voici un texte descriptif. La tour Hassan, très beau monument historique de la ville de Rabat, sera restaurée le mois prochain. On dit que la visite gratuite de ce lieu amènera un nombre considérable de touristes. Cet édifice est vraiment majestueux et immense. Je rappelle encore une fois le texte. La tour Hassan, très beau monument historique de la ville de Rabat, sera restaurée le mois prochain. On dit que la visite gratuite de ce lieu amènera un nombre considérable de touristes. Cet édifice est vraiment majestueux et immense. Que précisent les mots en couleur? Il y a des questions à répondre. Comment les nomme-t-on? Où sont-ils placés? Avec quoi s'accordent-ils? Allons-y, on va répondre à ces questions. Que précisent les mots en couleur? On dit tout simplement les mots en couleur précisent les mots qui l'accompagnent. Ils précisent les mots qui l'accompagnent. Il y a des mots qui l'accompagnent. Comme l'exemple de la tour Hassan, très beau monument historique. La tour Hassan, très beau monument historique. Monument, c'est un mot. Et beau et historique, ce sont des mots qu'il qualifie ou qu'il précise. Exactement le nom ou le mot monument. Normalement, comment les nomme-t-on? On les nomme comment? On les nomme comment? Beau, historique, prochain, gratuit, considérable, majestueux, immense. Oui, c'est très bien, on les nomme. On les nomme des adjectifs qualificatifs. On les nomme des adjectifs qualificatifs. Où sont-ils placés? Où sont-ils placés? Oui, c'est très bien, soit avant le nom, soit après le nom. Et quelques adjectifs qualificatifs se placent loin du nom, loin des mots. Alors, on dit tout simplement, ils sont placés près, ils sont placés près ou loin des mots qu'ils qualifient. Ils sont placés près ou loin des mots qu'ils qualifient. Prenons un exemple de le mois prochain. Prenons un exemple aussi de la visite gratuite. Et cet édifice est vraiment majestueux et immense. Avec quoi s'accorde-t-il? Avec quoi s'accorde-t-il? Il s'accorde avec les mots qu'il qualifie. C'est très bien. Il s'accorde avec les mots qu'il qualifie. Il s'accorde avec les mots qu'il qualifie. Que précisent les mots en couleur? On dit, ils précisent les mots qu'ils accompagnent. Comment les nomme-t-on? On dit, ce sont des adjectifs qualificatifs. Où sont-ils placés? Ils sont placés près ou loin des mots qu'ils qualifient. Avec quoi s'accordent-ils? Ils s'accordent avec les mots qu'ils qualifient. Voilà.
Après, on va voir, je construis la règle, je complète la règle avec les mots suivants, genre, attributs, caractéristiques, épithètes, nombres et après. Alors, je construis la règle, complète la règle avec les mots suivants, genre, attributs, caractéristiques, épithètes, nombres après. L'adjectif qualificatif est un mot qui précise les d'un nom ou d'un pronom. Par exemple, volubilis, ville antique située près de la ville moderne d'Oséron, est très ancienne. Alors, antique, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le mot ville. C'est la même chose que moderne, ancienne. On dit tout simplement que l'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. Les caractéristiques. En posant la question, comment il est? Comment ils sont? L'adjectif qualificatif peut être placé avant, après ou loin du nom ou du pronom qu'il qualifie. Oui, avant, après ou loin du nom ou du pronom qu'il qualifie. On l'a déjà vu. Il s'accorde en genre, ça veut dire le masculin féminin, et en nombre, ça veut dire singulier pluriel, avec une ville ancienne, un ancien château. Ancienne, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le mot ville. Ville, c'est un nom féminin singulier. C'est la même chose qu'un ancien château. Château, c'est un nom masculin qui qualifie. Ancien, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le mot château. L'adjectif qualificatif épithète fait partie d'un groupe nominal et il est généralement placé à côté du nom qu'il qualifie. Par exemple, cette magnifique ville antique. Alors, magnifique et antique, ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Alors, cette magnifique ville antique s'étend sur des dizaines d'hectares. Alors, lorsque je vois un adjectif qui se place avant le mot ou après le mot, c'est un adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif placé après, l'adjectif qualificatif placé après un verbe d'état. Le verbe d'état, par exemple, être, paraître, sembler, devenir, rester, etc., est appelé attribut du sujet. Par exemple, ces monuments semblent éternels. Alors, le mot éternel se place loin, loin des mots qu'il qualifie. Le participe passé. Surtout, hein, n'oublie pas le participe passé, on va voir dans un prochain cours. Le participe passé est souvent employé comme un adjectif qualificatif. Comme l'exemple de réussir. Réussir, c'est le participe passé du verbe réussir, c'est le deuxième groupe. Une excursion réussie. Alors, je répète encore une fois, l'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. L'adjectif qualificatif peut être placé avant, après ou loin du nom ou du pronom qu'il qualifie. Les accords en genre masculin, féminin, en nombre singulier, pluriel avec lui. L'adjectif qualificatif épithète fait partie d'un groupe nominal et généralement placé à côté du nom qu'il qualifie. L'adjectif qualificatif placé après un verbe d'état, comme exemple de être, paraître, sembler, devenir, rester et d'appeler attribut du sujet. Et le participe passé est souvent employé comme un adjectif qualificatif. Comme l'exemple de une excursion russe. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que ce cours est vraiment très utile pour la plupart. La prochaine vidéo sera donc pour entraînement et évaluation. Même cours, l'adjectif qualificatif, épithète ou attribut. À la prochaine.